Moi, je me nomme Sakandé Ruben. Donc, je suis ingénieur minier. Il y en a qui disent ingénieur des mines, mais c'est ça. Je suis ingénieur minier de formation. C'est une formation d'ingénierie. Donc, c'est 5 ans. Donc, les premières années, c'est généralement des troncs communs. Et ça ressemble énormément au génie civil dès le début et un peu au génie géologique aussi, un peu dès le début. Donc c'est tout ce qui est maths, physique, un peu de chimie, tous les cours de connaissance de la Terre. Donc c'est un peu ça au début. Après c'est vers la troisième, quatrième année. Quand on rentre vraiment dans le vif du sujet, on parle des techniques d'exploitation, on apprend à utiliser les logiciels, voilà, et l'éthique, les coûts d'environnement et les coûts d'économie aussi, les coûts d'économie minérale. Et ça, c'est plus vers la fin du cycle. Mais il y a des possibilités aussi d'orientation après l'ingénierie parce qu'il y a il y a des maîtrises et il y a même des doctorats. Parce que le domaine est quand même vaste et c'est possible de se spécialiser par la suite, en fait. J'aimerais dire un grand merci à toute l'équipe du Grand Frère pour l'invitation. Je me sens honoré. C'est vraiment un plaisir de venir partager avec vous mon métier et ma petite expérience et les débouchés de mon domaine. Et je vous invite à aller sur le site du Grand Frère pour votre orientation scolaire. J'ai moi-même eu l'expérience pour un petit frère et ça a très bien été. Donc restez connectés sur la page. Merci.